Hello, chef des abonnés, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans notre parcelle de palmiers à huile. Nous avons fait une visite dans notre porcherie, située vraiment à PK41, lieu dit Mangoulet 4. Donc nous allons également vous présenter comment est-ce que nous sommes en train de nourrir nos différentes truies. Et nous sommes en train déjà de donner des différents ingrédients pour prévenir la peste qui tient déjà à proximité. Donc pour ceux qui sont réellement dans le domaine de la porciculture, sachez également que nous sommes déjà dans la période noire, qu'il faudrait déjà donner des ingrédients pour prévenir réellement la peste. Donc aujourd'hui, je suis venu sur le terrain réellement pour faire une bonne composition d'aliments, pour essayer de donner directement à chaque truie pour prévenir réellement l'arrivée de la peste. Donc suivez mon regard. Oui, chef des abonnés, donc vous voyez là, nous sommes là dans l'une de nos loges. Donc vous allez voir comment est-ce que nous donnons le toto de le palmis, parce que nous sommes réellement dans une palmeraie et le palmis nous permet réellement à faire un complément d'aliments, parce que vous savez, si vous ne faites pas certains compléments d'aliments, vous ne pouvez pas vous en sortir pour la production de en porciculture. Donc l'aliment que nous avons donné réellement à nos truies aujourd'hui, nous avons fait le mélange des feuilles de moringa et du charbon. Donc vous savez réellement que le charbon est bien pour la santé. Le charbon, c'est un absorbant de maladies. Donc aujourd'hui là, ce que c'est en train de manger là, c'est la nourriture complète mélangée avec les feuilles de moringa et du charbon. Du charbon en poudre que nous avons mélangé avec l'aliment directement pour que s'il y a déjà attaque au niveau de la peste, nous n'avons pas de problème. Donc vous allez remarquer là, vous allez vraiment voir notre truc, comment il se comporte bien. Voilà. Non, vraiment, notre truc se comporte bien. Donc ici, chez nous, nous ne sommes pas encore attaqués. Raison pour laquelle nous faisons une mesure de prévention pour ne pas avoir de pertes. Vous savez, nous tenons déjà au mois d'août et les pluies ne cessent de tomber dans cette localité-ci. Nous sommes déjà à pratiquement une semaine de pluies successives. Donc par conséquent, nous faisons des mesures de prévention. Premièrement, d'abord avec la propriété. Et deuxièmement, avec une composition complète de prévention d'aliments. Donc pour ceux qui sont dans ce domaine, sachez vraiment que n'importe qui n'a pas entré dans vos loges en ce moment-ci, parce que c'est un moment de maladie, surtout pour la production du porc en fait. Donc pour ceux réellement qui aiment ce que nous faisons au quotidien, sachez réellement que nous vous prions de vous abonner et de partager. Donc portez-vous bien. Merci.